Et bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue à la pause déj, un tout petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. On va faire du 11h45, midi 45, 50, parce que j'ai une réunion à 13h, du coup il va falloir que je me dépêche aujourd'hui. Tchou les gens, qui a volé ce week-end? Pas moi du tout, j'ai pas du tout volé ce week-end, ni IRL, ni InSim. Alors, Gaminge, on est parti. On est parti du coup sur une destination qu'on devait faire depuis un petit moment et qu'on a complètement zappé, passé au-dessus de la tête. Suggestion donnée par Papa Noël sur le Discord, le pic du midi et du coup son nouvel observatoire tout beau, tout fait, tout prêt. On va aller se checker ça tout de suite. Je vais juste vérifier un truc, quoi. Je voulais vérifier que ça c'était bien ouvert. Ça c'est bon, tac. Oh, c'est joli en tout cas là. Ah! Putain, les Alpes qui ont été refaites, là, classe, hein. Et là, j'ai vu ta moto voler à 200 mètres du sol, pourtant. C'est vrai qu'il y a de ça. Et merci, chouchou, pour le host. Obviously, la shitty flûte qui démarre et qui met de bonne humeur. Ta-la-la-la-la ! Ça, c'est fait. Donc, du coup, putain, ça lag déjà. Allez, c'est la fête of the sleep. Allons bon, nous voilà déjà dans le lag. Donc, nous voilà à l'observatoire du pic du midi. Putain, c'est vachement beau, dis donc, dans le coin, là. Eh, t'as vu, il est plutôt bien rendu, l'observatoire. Hein. On va aller avancer un petit peu devant, là. Franchement, ça a de la gueule. Hein. Franchement, attendez. Là, on va se remettre sur caméra intérieure parce que ça va encore être le bordel... pour savoir dans quelle direction qu'on va. Voilà. On va ramener ça par là. Ah, et joli gueule, hein. Fais gaffe au câble du téléphérique, par contre. Il y a un téléphérique qui traîne dans le coin? C'est ça, peut-être? Non, c'est peut-être pas ça, le téléphérique. En tout cas, putain, ça a de la gueule, hein. Où est-ce qu'il est, le téléphérique, objectivement? Je ne sais pas où il est. J'y suis jamais allé, hein, concrètement, hein, qu'on soit clair. Celui pour monter au pic. Franchement, comment ça a de la gueule? Ah, ils ont bien... pour le coup, ils ont bien bossé. Ça lag ! Sa merlipopette ! Allez, avanti. J'y étais en 2014, le rendu est superbe. Bah écoute, tant mieux. Ça fait plaisir du coup que les gens reconnaissent un peu... Pourquoi ils se barrent comme ça, la Vélodico, là ? Reconnaissent l'endroit. On va refaire un petit tour... de manège. Putain, le décor est magnifique, de chez magnifique. On va prendre un peu d'alti, peut-être. On va s'orienter comme ça. Ouais, ça, c'est pas mal. On va faire pause et on va se mettre en mode vitrine. Parce que là, le truc arrête pas de contourner, continuer à tourner. C'est insane. C'est toujours très, très chiant quand il joue comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre derrière là? Cette zone-là me plantante bien. Surtout avec le petit lac qui va bien, là. On va choper ça comme ça. On va tordre un peu la cam, histoire d'avoir le pic dans l'axe tout en haut à droite, là. Ça a de la gueule. La gare du téléphérique est juste là au-dessus du gros plot de béton. Le gros plot de béton. Ça, là, ça doit être ça, je suppose, là. Ça doit être ce machin-là, la gare du téléphérique. Ou peut-être ça, peut-être. Non, c'est. Là, j'avoue que je ne sais point. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se prendre la photo. Tac. Mais sachant qu'on est en pleine montagne et tout machin, je rajouterais bien, moi, un petit peu de neige, tu vois, pour se dire, allez, on est... Wow, regarde-moi ça, il y a même un petit arc-en-ciel. Putain, ça a de la gueule, trop bien. On va juste se mettre la couche nuageuse, on va la mettre un tout petit peu plus diffuse, histoire de voir un peu, histoire de voir quand même quelque chose. Ouais, c'est quelle couche qu'il faut toucher là? C'est celle-là, voilà. Oh, voilà, ça va être classe, hein. Ça va être classe. On diffuse, voilà, juste quelques petites couches comme ça. On va prendre celle d'en dessous, pareil, on va diminuer. Oh ouais, oh là là. Ah putain, ça c'est classe. On a la même photo mais en hiver. Là ça a de la gueule. Hop là. Ah putain, ça a de la gueule. Merde, ça a lagué. Si, c'est bon, c'est bon. Ah, très très fan là. Très très fan du petit coin. Pick of... Merde, du coup c'est pas la bonne cam que je suis en train de mettre. Du coup, faut que je revienne moi sur la partie externe. Tac. Et bonjour, salut Mouchou, comment tu vas-tu bien? On est donc du coup au pic du midi au niveau de l'observatoire. Putain, c'est dommage que Papa Noël soit pas là.
Envie de skier, ça me ferait tellement de bien là. Ouais, tu m'étonnes. Même le petit lac sous le chemin. Là, le petit lac devrait être là, si je dis pas de conneries, ça devrait être celui-ci. Et franchement, là, putain, la vue, quoi. Pop, 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 pop. On va essayer de revenir. On va essayer de revenir derrière là. On va essayer de stabiliser un tout petit peu là. Hop. Entre les. Ah non, c'est pas le moment de laguer. Ah. Tac. Tac, tac, on remet un peu de gaz, on fait play. On se remet en vue. Vitrine. Tac. The helicopter is là. Et du coup, là, on pourra même encore avoir une vue un peu plus balèze. Dernière piste en 2019. Je remets pas d'y être allé l'an dernier, d'avoir dû rentrer le lendemain, savoir ce qui avait ça. Merci, merci, copain Covid. Ah, ça a de la gueule, là. Ah, putain, les petits hélicos SAMU avec l'observatoire derrière et tout, là. Oh, putain, ça a de la gueule. On va la prendre comme ça, là. Tac. Ah, franchement, ça a de la gueule. Ah, je suis content d'être passé. On est content d'être venu, tiens. Allez, on repart caméra externe. Hop. On enlève la pause. Putain, franchement, quelle classe. Ah, pour le coup, là, on est sur du propre. Hein. Là, on est sur du beau, on est sur de la qualité, on est sur de la qualité. Messieurs, dames, on est sur du gros, du gras, du balèze, là. Quelle gueule. Quelle gueule ça, putain, c'est impressionnant. Regardez-moi ce décor là. Oh là là, j'en reviens pas. J'en reviens pas tellement c'est beau quoi. Allez, triser un peu la truc là, hop. Voilà, putain, ça a vraiment. Le hors-piste juste en dessous, à pile le creux comme en vrai. Là, juste ici, le hors-piste là, pour aller directement direction le lac. Ouh là, il y a une jolie. Oh, putain, là, ça doit être impressionnant là, ici. Je suis une vraie bille en ski, hein. Ça me fout les jetons le ski. Je dois être le seul au Savoyard du monde qui sait pas skier. Ouais, putain, la descente là, elle a l'air fun quoi. Franchement, ça a l'air fun. De l'autre côté, je lag un peu, mais de ce côté aussi, ça skie. Putain, mais ouais, mais ça doit être tellement cool. En vrai. Oh là là. On serait pas en train de reculer là si on recule en fait là. À force de lâcher les manettes. Franchement, là, vous savez quoi, j'ai envie de tenter un posé quelque part en mode SAMU, là. Genre sur un sommet, dès que ça aura fini de laguer. Se faire un petit atterro, regardez là-bas, là, on va prendre le sommet qui est là. On va se faire un petit atterrissage. Ok, donc tu vas rentrer maison, ton passeport au Savoyard et prendre ta carte de 75. Mais le problème, c'est que moi, je suis né avec un papa. Mes deux parents sont purement parisiens, hein, donc ce qui ne comprend pas pourquoi notre frangine et moi, on est né en Haute-Savoie. Mais ils sont purs parisiens et j'ai un papa qui aime pas la neige. Donc du coup, en fait, moi, j'ai passé ma première étoile en classe de neige à l'époque où j'étais encore à l'école en Haute-Savoie. Et puis après, de là, plus rien, quoi. Donc hashtag la merde. Ça me paraît pas très droit. Ça me paraît un peu plus possible pour se poser là-dessus. Là. Hop, on va la tenter comme ça là. Ralentissement tout doux. Putain, c'est tellement blanc, j'ai du mal à voir la texture quoi. J'y vois pas clair en fait, c'est ça qui est ouf. Hop, on va remettre un petit peu de gaz vers l'avant. Un peu chaud. Cette zone là me paraît à peu près droite là. Je pense que ça je peux me poser dessus. Vaguement mais sûrement. Voilà, un tout petit peu d'avance ici. Allez, ah merde, je suis allé un tout petit peu trop court. Un tout petit peu trop court. Allez monsieur, on avance et on se pose tout en douceur. Paf. Ah là là. Moi, né à Paris 7ème et ski depuis que j'ai 3 ans. Le monde à l'envers, mais complètement. Oh là là, regardez-moi ça, cette photo qu'il y a à faire là. Samu au sommet de la montagne là. Oh putain, quel est le plus joli angle. Qu'est-ce qu'on prend comme angle de photo? Ça c'est beau ça. Là on a un angle de vue qui est incroyable. Là c'est insane. On va prendre ça, on va prendre. Putain mais j'ai envie de prendre des photos partout là. Oh, je suis où? Il est où mon hélico? On va se remettre derrière là. Paf, voilà. Hop. Oh là 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 là. Regardez-moi cette vue. Cette vue SAMU posée là. Pof 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 pof. Ça a de la gueule. Bon, du coup, qui c'est qui veut donner la prochaine destination? En attendant, moi j'ai d'autres. J'avais d'autres trucs qui avaient été donnés dans les suggestions Discord.
On avait Thessalie au Mali qui avait été proposée par Freddy. On avait le Parc des Princes aussi qui avait été proposé par, par Ben. Il devrait y avoir le Parc des Princes pas très loin d'ailleurs de... Pas très loin de... Comment que ça s'appelle ? Du Stade de France, il me semble qu'ils sont pas excessivement loin l'un de l'autre. Non, je suis pas très bon. Et salut. Alors voilà. Xolium. Comment vas-tu ? La baie de Morlaix. Je ne connais pas, tiens, ça, la baie de Morlaix. Qu'est-ce qu'on... On va aller regarder ça vite fait. La baie de Morlaix. Où est-ce que c'est-il donc ? Hop là. La baie de Morlaix. Voyons voir. Bon, écoute, ça va fort bien. Alors, la baie de Morlaix, où est-ce qu'on est ? Ah, on est en Bretagne. Nous avons droit à un petit breton. La baie de Morlaix. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a un peu in-game ? Menu principal. On est reparti. Au nord de la Bretagne. Il faut que je change ce POC Pikachu. Là, évidemment, ça n'a pas été visiblement le petit... comment ça s'appelle ? Le petit smiley n'est pas passé, c'est fort dommage. Est-ce qu'on a quelque chose de modélisé ? Ah, on a un truc qui se balade là, c'est quoi ? Cairn of Bernays. C'est comme la sauce. Pardon pour cette blague dégueulasse. On va se reprendre notre hydravion là du coup. Ça va être l'endroit idéal pour notre petit cub float. Comment il fait ? T'es du coin, Xolium, pour nous dire si les conditions météo du moment sont sympas ? On va partir, on va partir en conditions de vol réelles et on verra ce que ça nous donnera. Ah, Morlaix, en vrai, c'est super joli aussi. Par contre, tu peux retirer la neige, il y en a une fois tous les 433 ans là-bas. Alihi en Irlande. Tiens, je ne connais pas non plus du coup Sarah. Enfin, on ira voir juste après. Du coup, il doit faire beau. En sud de la Bretagne, il doit faire beau. On va regarder. On part en conditions réelles. Et si on doit changer, on changera. On a l'habitude, hein, de toute façon. on est habitué. Et du coup, petite question sur les hommes, puisque tu es nouveau ici. Comment as-tu découvert la chaîne ? Ça m'intéresse de savoir. C'est par où, comment tu es tombé sur nous ? Oh, ça a l'air très 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 joli en dessous là. Oh là là, oh que ça a l'air beau. Oh, ça a l'air très 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 joli ça. Oh la vache. Oh, comment ils ont bien travaillé la transparence de l'eau là sur le World Update. Oh, c'est beau, putain. La vache. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, attends, il est où le cairn? Il est où le cairn? C'est là où j'avais fait ma colo musicale pendant 3 semaines. Ah putain, trop bien. C'est peut-être le truc en bas là. J'ai été dans la catégorie FS 2020, j'ai mis filtré français et je t'ai trouvé. Ah bah c'est super. Ah, une vraie marée basse. Il est content. Il est content, Franck. Attendez, on va se mettre le point. On va se mettre le POI quelque part. On va se mettre le POI quelque part. Tac. On va l'activer. Hop, retour. Hop. Où c'est qu'il est où c'est qu'il est où le cairn là? Ah, il est derrière, d'accord, on va revenir dessus vite fait. Oh, putain, c'est trop beau, c'est trop bien. Il y a aussi un viaduc. Ah, ça, il faudrait peut-être qu'on essaie de se le trouver. Je sais pas s'il va être modélisé, du coup. La World Update a apporté beaucoup de nouveautés, mais pour le coup, je saurais pas trop te dire si c'est pas un POI. Ce sera peut-être un petit peu lambda. On va faire un passage là sur ce truc-là. Va à Morlaix après. Alors la ville, c'est la ville qui est un petit peu... C'est une ville, hein, Morlaix, c'est ça, qui est un peu au sud, du coup. Attendez, on va se préparer à faire pause pour passer devant le cairn. Et hop, tac. On va passer en mode vitrine. Tac. Et pendant qu'on est là, ah ouais, messieurs, dames. Ça a de la gueule, ça. On va juste enlever le POI, du coup, maintenant qu'on l'a trouvé. Non, c'est pas dans général, Stéphane, c'est dans l'assistance. Aide à la navigation, POI, tac, appliquer, enregistrer, retour, reprendre. Oui, qui est dans une vallée. C'est un nouveau truc. Qu'est-ce qu'un nouveau truc? Alors du coup, il va falloir me donner la définition, parce que là, du coup, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mon loulou. Tac, capture d'écran prise, la photo a été prise, on va pouvoir repartir tranquillement, joyeusement. Direction du coup le sud, on l'a dit, pour aller checker la ville de Morlaix. C'est un nouveau truc de la mage. Ah d'accord, oui, bah tout à fait.
C'est passé dans l'Ouest France. C'est passé dans l'Ouest France hier. Mais oui, du coup, effectivement, la World Update 4 a été focus sur tout ce qui est France Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Netherlands. Et du coup, on avait mis un petit peu toute la France de côté, justement parce qu'on attendait ce World Update 4. Parce que du coup, oui, comme t'es nouveau, tu sais peut-être pas. La pause déj, c'est un rendez-vous quotidien. C'est tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h. Là, j'ai démarré un petit peu plus tôt parce que j'ai réunion à 13h. Mais c'est pile poil pendant ma pause déj à moi pendant que je bouffe. Enfin, pendant que je suis censé bouffer. Et du coup, on va se balader gentiment pour pouvoir. Les viewers nous donnent des destinations et puis nous, on y va quoi, tranquille ou pépouze. Pourquoi j'ai les gaz qui veulent pas avancer encore là? Il me fait chier cet avion là. Il veut pas monter, coquin. Tu veux pas me trouver une grotte par ici pour hiberner? Surtout une page sur tous les ajouts en Bretagne. Mais vous êtes pas possible les Bretons. Vous êtes incroyables pour ça. Salut Markov Paris, comment vas-tu? L'île de Ré, et plus particulièrement la Courde-sur-Mer. Ah, ça pourrait être sympa l'île de Ré. Je crois qu'on avait déjà fait l'île de Ré, mais ça peut être sympa d'aller voir du coup les nouveautés de la World Update. Alors attends, est-ce qu'on n'est pas loin là de Morlaix Je les ai passés. Fus, demi-tour. Hop. Alors, qu'est-ce que je suis censé voir mon loup? C'est où c'est que c'est où? Mais le problème c'est que là j'ai un avion qui veut pas du tout avancer là, je sais pas ce qui se fait, il fait que se casser la gueule cet abruti, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donne-moi de la puissance, saleté d'avion de merde. Mais ça c'est encore le pas d'hélice qui est pas bon là, et qui veut pas y aller. Et il veut pas y aller, hein. C'est un truc de fou comment il veut pas y aller. C'est un truc insane comment cet avion ne veut pas grimper. Et bah du coup tu sais quoi, on va te mettre des flaps, comme ça tu vas grimper. Non il grimpera pas, saleté. Des trucs à huîtres, faut suivre le cours d'eau. Alors attends, bouge pas. Demi-tour du coup. Alors tu sais quoi, parce que là ça va me saouler un poquito l'avion qui veut pas grimper là. Donc, pause. Hop, option. Aircraft Selector, on va aller prendre tranquillement un petit truc qui pousse un peu plus, n'importe quoi, un Cessna, très bien. Roule ma poule. Il va se crasher cet abruti. Voilà. Tac, on est reparti mon kiki, direction le truc à huîtres. Et du coup, tu avais passé les trucs à huîtres, Morlaix, c'est derrière toi. Attendez, je reviens, je prends ma petite carte. Vous me dites, il y a un cours d'eau. Donc moi, je vais aller chercher le cours d'eau. Voilà, qui m'a l'air d'être la chose qui est là-bas, c'est ça? Est-ce que c'est bien ce truc qui est devant nous, là? Direction sud-est. Ou c'est celui qui part à notre, c'est celui qui part de l'autre côté là-bas. Oui, donc oui, on va dire que c'est là. Je crois que je suis bon là. Ok, les trucs à huîtres, du coup. Par où c'est que c'est où? C'est ça là, c'est la zone qu'on est en train de survoler juste là, là au-dessus, là la petite zone. Non, ça va être plus loin, je pense. Avançons joyeusement, gentiment. Ah, un petit lac des familles. C'est derrière, mais comment j'ai pu le rater? Hop, attends, derrière. T'es à 152 maintenant, c'est venu. J'ai pris n'importe quoi qui me permettait de grimper mieux que le X-Cube flotteur. Franck. Où c'est cette zone-là, là? Explain to me. C'est vrai que c'est compliqué. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu de checker avec un léger décalage de 5 secondes. Après, l'endroit est incroyable. Hein. Cette espèce de... Putain, mais là, tout ce qu'ils ont fait, là, en termes... T'as des traits avec l'exploitation d'huîtres. Ah, mais du coup, moi, je sais pas... Je suis une vraie merde, hein, tu sais. Moi, reconnaître les exploitations d'huîtres, j'en suis pas du tout... je suis pas du tout capable. Alors, Morlaix, attends, je vais regarder la carte... Parce que là, la carte VFR, ici, elle est vraiment pourrave. Du coup, on va regarder la carte ici. Alors, ça c'est la baie de Morlaix, et Morlaix c'est par là, donc du coup effectivement on a ce grand truc là, on suit la zone ici, d'accord, je vois l'idée, Morlaix est au bout du... est au bout, donc on va accélérer un tout petit peu, hop, 2, 3. Ah le viaduc, c'est ça le viaduc du coup là, on y est? Est-ce que ça serait pas ton viaduc, camarade? Et Morlaix juste derrière, putain ça a de la gueule.
Ah, c'est sympa aussi, ça, là. Ah, c'est dommage que tu vois la texture, comme c'est pas un POI qui a été fait, la texture, on a de la route encore dessus, ils nous ont juste remis un pont qui se balade. C'est un peu derrière encore. Là, on a une espèce de petit port, là. Et Morlaix est un petit peu plus loin. Quelle heure il se fait que je fasse gaffe à l'heure aussi? Midi 9, ça va, on est bien, là. Hop. On va avancer un petit peu, toc, toc. Voilà, on devrait pas être loin de Morlaix, là, c'est pas ça, là. D'ailleurs, pour des ponts, ils ont fait le viaduc de Garabi. Je sais pas du tout, faudrait regarder, faudrait checker sur la map. Salut Papa Noël. Tain, t'as raté, on a fait le pic du midi, tout à l'heure. Papa Noël, t'étais pas là. Est-ce qu'on est dans le coin, du coup Ils ont pas fait le viaduc. Bah ouais, c'est, si c'est pas un POI, il y avait peu de chances qu'on le, peu de chances qu'on le retrouve. J'avoue. Tain, 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 tain. Je l'avais fait de mon côté. Bon, du coup, on va aller voir la destination de Markov Paris, qui nous avait dit... Attends, je viens juste de faire disparaître le message. Attendez, je le retrouve. Markov Paris qui nous avait dit donc l'île de Ré et plus précisément la cour de Surmer. On va essayer de se checker ça, du coup. Est-ce que, du coup, tu vas en Irlande ou pas le temps? Oui, oui, on va aller en Irlande. Ah oui, du coup, on va aller d'abord en Irlande et ensuite on ira effectivement à... Comment ça s'appelle? La cour de Surmer. Alors... menu principal, tac. Tu me redonnes la destination qui était en Irlande, chouchou? Ah oui, Ailey, super. La coire de Surmer, pas la courde. Ah bah du coup, c'est que t'as mal écrit, Marco, parce que moi je t'ai lu. Hein. alors attends, du coup, on a dit quoi? Les Ailey. A, 2, L, I, Ailey, Coutricork, Ireland. Tac. Bon, ça, normalement, ça devrait faire partie du World Update 3, donc on devrait avoir aussi des endroits bien sympathiques. On prend les coordonnées, on va là, on va ici. Salut OSM, comment vas-tu? Mais vous connaissez Marco et Franck? Ou c'est juste de la pure sympathie, bonjour tout le monde, etc. On va se prendre quoi comme avion? Oh, un petit... Cela dit, j'avais bien aimé là, le petit vol en... Il est où, lui? Il est où? Un petit Robin, là. Top, petit Cap 10, tac. Quoique... Ou voire même... non, tiens, petit Cessna 152, c'est celui-là qu'on avait pris, que j'aimais bien. Tac, on est reparti. Et roule ma poule, direction donc les Ailey en Irlande. Et ensuite, on ira voir effectivement côté île de Ré, la Quarde sur mer cette fois-ci. Non, non, on se connaît. Ah, on a travaillé ensemble. Super, c'est cool ça. Vous avez travaillé au monde de la photo du coup, peut-être? Ou quelque chose comme ça? Ça va bien, j'ai mis une photo rigolo sur le Discord pour vous montrer qu'on vole responsable en Suisse. Ah, alors attends, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure du coup. T'as mis ça dans le lien utile. Ça, mais c'est quoi cet engin? Qu'est-ce que tu nous as... C'est quoi que tu nous as... Attends, je vous le poste là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est quoi que tu nous as posté là? Ah, c'est un masque! Putain, j'avais pas percuté que vous aviez mis un masque sur le... Vous avez mis un masque sur l'hélice. Magnifique, les gars! Magnifique! C'est important de voler responsable. Bien joué, les gars. Allez, nous voilà en Irlande. Oh, c'est mignon ici, dis donc. Oh, on aime beaucoup. Pas encore vacciné l'avion. Eh non, pas encore vacciné, dis donc. Ouais. Ah, qui c'est qui est venu nous dire bonjour? C'est toi, Papa Noël, qui est à côté de nous? Oh, ça a de la gueule. J'aime bien. C'est beau. On va pas se poser trop de questions. Hein. On va prendre une photo tout de suite là. C'est juste trop beau dans le coin là. Attendez, bougez pas. Passe en météo temps réel. Ah bon, c'est comme tu mets le LOL juste derrière, je suis inquiet parce que je me dis ça va être un truc tout dégueu. C'est beau. Attends, hop, clac, photo. Attends, du coup on passe en météo temps réel. Bah je le suis. Je suis en météo temps réel, Loulou. C'est toi qui est pas en météo temps réel. C'est toi qui est pas en météo temps réel. Même que d'abord, j'y crois pas l'autre.
Magique cet endroit, un peu d'habitants, un pub, des maisons colorées, un pub. C'est l'important, c'est qu'il y ait un pub. On s'en fout du nombre d'habitants, il faut qu'il y ait un pub. Il a presque 75 ans en plus cet avion. Pour le coup, c'est toi, sinon tu verras autre chose. Je sais pas comment te dire. Ciel dégagé, météo temps réel. Mignon. T'as vu de la lumière ? Alors, mignon, c'est merci beau. Marco pour le follow, ça fait super plaisir. C'est ce que j'expliquais du coup tout à l'heure, si vous ne connaissez pas le principe, on fait du flight sim tous les midis, du lundi au vendredi de midi à 13h, on fait la pause déj, les viewers donnent des destinations dans le chat et je tente d'aller les survoler. Ça doit encore bugger ? Ah bah voilà, temps clair, pas un pet de nuages. Bah ouais, c'est ce que je dis. Après si tu veux, on peut se la jouer temps irlandais, hein, regarde. Temps irlandais, on va se faire un petit... On va se faire un petit orage, et puis voilà. T'as vu la lumière ? Oh putain, c'est dégueulasse, on voit que là. On voit plus rien. On ne voit plus rien. On va faire couvert, ça suffira. Du coup, merci Xoléum pour ton follow, ça fait plaisir aussi. Regarde les infos Google Maps. Au petit matin, ça doit être bien, non ? Au petit jour, on quittait l'Irlande, derrière s'éclairait la lande. Ok, on t'aurait pas la ref, c'est du Lavilliers. Ah bah non, mais la Philippe Lavilliers, moi je connais pas. Mes photos, ça ressemblait à ça, à beau temps, c'est bien ce que j'ai. Bah, tu vois, du coup, moi, j'ai pas, hein. Moi, si je me mets en condition réelle, je sais pas, météo en temps réel. Non, moi, je suis en beau temps, moi. Hein. Moi, il fait beau, hein. Putain, c'est classe. C'est très, très classe. J'aime beaucoup l'endroit. L'endroit est très, très cool. Ali weather rain. Rain 9 degrés. En tout cas, merci beaucoup pour les follow. Ça fait très 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 plaisir. N'hésitez pas aussi à suivre dans le Discord, surtout si vous êtes des fanas Simu. On poste les photos, on s'échange des trucs, etc. Et il n'y aura pas que... Alors après, sur la chaîne, il n'y a pas que du vol. Il va y aussi avoir un peu de FPS, de TPS. Cette semaine, on va tester... On va se mettre sur du Outrider. On va aller se mettre aussi sur... On va tester... comment il s'appelle ce jeu ? Le nouveau jeu de Gaijin, là, j'ai oublié, Unlisted. Et petite surprise communautaire vendredi soir, où on va bien s'amuser sur du Gartic Phone, et une surprise avec la chérie. Il y avait un animal qui mangeait des moutons, on tombait sur des cadavres de moutons au petit matin. Oh, l'ambiance. Tu pourras aller à la Mongie aussi. Alors attends, du coup, il faut d'abord qu'on aille checker... Tiens, j'ai Papa Noël qui est venu nous faire coucou, mais du coup, on s'est raté parce que j'ai lagué. Si je remets du gaz, peut-être que je peux essayer de le rattraper. On va aller checker. Hop là, il a disparu. Ah si, t'as ralenti. C'est quoi, c'est le caravane ? Ah bah c'est Gauthier qui va être content. Ouais. Tu vas trop vite avec ton caravane, je suis à fond de gaz et j'arrive pas à te rattraper. attends, du coup, donc effectivement, l'Irlande, ça y est, on a checké. Putain, c'est... Vous avez vu quand même les détails qu'ils ont fait là sur les montagnes ? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça top, top, top. On avait dit, du coup, avant d'aller checker la Mongie, je ne sais pas où c'est d'ailleurs la Mongie. Maintenant, il a fait pause sur le stream et il a copié lettre par lettre les coordonnées. Ah bah oui. Ou sinon, après, tu sais, en fait, il peut se reconnecter directement sur moi. Comme on est amis, Papa Noël, on est amis, du coup, il peut se remettre directement sur moi, ce qui est beaucoup plus facile. Yes, on avait dit l'île de Ré. On va aller voir... Merde, j'ai mon truc qui vient de s'éteindre. C'est pas grave. Alors attends, du coup, on avait dit quoi exactement ? C'était... C'était la courde. Non, la couarde, pardon. Ah ! Ah ! La couarde sur mer ? Est-ce que c'est ça ? Ça m'a l'air d'être ça, hein ? Si je dis pas de conneries. Les portes en Ré. La couarde sur mer, c'est bon, c'est ça ? J'ai bon ? Yes, je suis obligé de me caler sur ta position exacte pour voir. Oui, du coup, j'ai corrigé la couarde sur mer. Je vais me faire engueuler en plus. On va démarrer de là. On va démarrer tranquillement d'ici et puis on va longer la côte. Enfin, on va longer la plage, parce que c'est peut-être plus une plage qu'une côte. Définir comme point de départ. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme avion ? On va se reprendre notre bon vieux cup des familles jaunes, là, que j'adore. Et c'est parti, mon kiki. La couarde sur mer. Il me fait engueuler, les copains. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais ? Donc, après, voilà, sur la chaîne, il y a un peu d'autres choses. Faut pas hésiter à aller checker sur le Discord. Il y a le planning, tout ça. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, si vous voulez. Et chose importante, du coup, pour les nouveaux qui ne savent pas... Comme je ne peux pas, enfin, je pourrais, mais c'est compliqué en fait, comme je suis
que affiliate. C'est compliqué de streamer en 1080p parce que sinon pour vous, je risque de pas, si vous avez une petite connexion, j'aurais pas forcément accès au transcodage côté, côté Twitch. Du coup, je record mes vidéos en 1080p et si vous voulez redécouvrir un petit peu les vols en 1080p, vous allez sur YouTube. Je reposte tout à H+24, H+25 puisque je poste tout à 13h le lendemain. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Pour les nouveaux, ça fait plaisir. Et ben voilà. Donc voilà la courde sur mer. Tac, tain, ça a de la gueule. Hein. C'est plutôt bien foutu là. On va pas trop descendre en fait. On va essayer de se garder la vue haute là. Waouh. Ah, on est chez les richoux là. Hein. Ah, il y a de la piscine là, messieurs dames. Hein. Ah, ça a de la gueule. Hein. Hop, Papa Noël qui va passer au-dessus là. On l'a vu dans l'angle. Quoique vous étiez de la caméra devant. Ça a de la gueule. On va se faire pause. On va se mettre tout de suite en mode vitrine, là. Ah oh là 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 là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est de la belle beauté. Ça, c'est des trucs qu'on aime bien, ça. On va se mettre l'avion au-dessus, là. Tac. In the center. On a Papa Noël qui se casse la gueule là-bas au bout. Hop. Et limite, on va rester sur cette vue-là, parce que ça va pas être très compliqué à couper. Donc, hop, voilà. On va se remettre comme ça, on va revenir un peu plus proche. Je vais reprendre les commandes avant de se cracher la gueule. Tac. Et ben voilà. On a de la gueule là. Comment ça va? Tu peux descendre un peu vers le centre du village, s'il te plaît? Ouais, alors attends, vas-y, je vais faire une... J'aimerais voir ma maison. Ah bon? Toi aussi, t'es chez les richoux? Alors, demi-tour. Hop. À la Mongie, c'est où je vais pour skier, car il y a l'appart de mes grands-parents, ils n'habitent pas là-bas. Il n'y a pas de jugement, les loups, hein. Quand je dis chez les richoux, machin, je déconne, hein. Vous habitez bien où vous voulez, les copains. Attends, on va se faire ça comme ça, là, hop. On va se réaligner un petit peu direction le centre, tac. On va juste faire, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on est bien au niveau du centre, là, mon cher camarade? Nous y sommes-t-on? As-tu reconnu ton chez-toi? Alors moi j'habite à Montparnasse. on est passé pas très loin, on l'a vu la gare Montparnasse, enfin la tour Montparnasse, on l'a vu il y a pas si long, il y a deux ou trois jours. Jeudi ou vendredi je crois, quand on a tapé dans le World Update. Dans la tour. J'habite dans la tour. Et Toto, merci mon loulou. Ah, ce doux son chauffe Marcel. Toto qui lâche son plus beau sub. Merci infiniment à toi mon Toto. Ça fait super plaisir à toi. Enjoy les belles emotes. Ce n'est pas un POI, je pense. Rien ne ressemble. D'accord. Bon. Bah, en tout cas, c'est resté joli. Ah, attendez, on va laisser Papa Noël s'aligner pour faire une jolie photo en formation, ça va être sympa. Pour une prochaine match peut-être. Ah, j'y crois pas trop. Ça fait super plaisir à toi. Non, ça fait super plaisir à moi et c'est merci à toi. Il est où? Il est là. Ah putain, ça va être classe ça. Oh, on va avoir une jolie photo là. Ça fait plaisir à moi et merci à toi. Ah, une jolie photo là au-dessus. C'est infernal, non? Salut Freddy, comment tu vas? Bonjour docteur. Docteur, pour ceux qui ont la rêve d'un très 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 vieux film, et dont justement nos deux acteurs de la Tour Infernale Montparnasse ont fait une copie conforme avec double zéro, qui s'appelle Drôle d'espion, et qui est un excellent film avec Dan Aykroyd et, putain, comment il s'appelle le blond, Chevy Chase. Si vous n'avez pas vu ce vieux film des années 90, spécial guerre froide, c'est un vrai petit bonheur d'humour. Ah, ça a de la gueule, là. On va se réaligner un petit peu. On va se prendre une jolie dernière petite photo, là, avec Papa Noël qui s'aligne gentiment, et hop là, ça c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit du coup? On va quitter celle-là. On n'avait pas dit la Mongie, c'est ça? Mais du coup, Toto, t'as balancé ton plus beau sub et t'as même pas dit coucou. Tu es où? Tu es où, mon Toto? La Mongie, tu vois? J'avais retenu la Mongie. J'avais retenu, mon cher camarade. Où est-ce que c'est la Mongie?
La Montgier. Alors, c'est où les Essarts, tout ça, là? Ou Bagnères de Bigorre, France? Ou c'est... C'est quoi ce... Ah, bah voilà, c'est ça. C'est la... Tu disais, c'était la, la partie... la station de ski. Nous sommes dans les Pyrénées. Donc, la station de ski qui est dans les Pyrénées. On va prendre ça, du coup. On va démarrer de là, grosso merdo. Hop, tac. Hop. Mais oui, il est là, mon Toto. Il est là. C'est ça qui est beau. Avec son beau badge, là, de... Son beau badge... Son beau badge... Oh, putain. Je vais pas y arriver. Son beau badge de Hawk. Putain. Ça, ça a été dur, hein. Et on a, il a été beaucoup de mal à sortir, ce mot, hein. Gauthier, est-ce que Gauthier est là? Gauthier est pas là? On peut prendre le caravane, alors? Parce que moi, je l'aime bien, le caravane, en fait. Si Gauthier est pas là, on va pouvoir prendre le caravane, les gars. Le caravane Flight Sim, bam. Faites du slip. Démarrez le vol. C'est un grand bâtiment marron. Bah, tu vas voir que sur Flight Sim, hein, si c'est pas modélisé, on va avoir un gros bâtiment random gris. Mais au moins, normalement, on aura la topologie. J'espère. Oh là là, mais cette photo de l'avion avec son masque, là, j'en reviens pas, il me fait beaucoup rire. Il me fait beaucoup, beaucoup rire. J'ai un super spot, une piste en plein désert. Ah, Freddy, ça m'intéresse, ça. Ça pourrait être rigolo, ça. Hormis les grosses villes, il n'y a pas de photogrammétrie pour le... Ah non, la photogrammétrie, clairement, il n'y en a pas. Après, tu peux avoir des bâtiments un peu random qui ressemblent à quelque chose. Oh, il y a quoi le truc au sommet, là-haut? Oh, il y a un machin... Il y a une espèce de gros truc chelou, là. On va aller voir ce que c'est, vite fait. Et après, on redescendra, du coup, dans la vallée. Bah écoute, est-ce que ça serait pas cette chose-là? Ça m'a l'air d'être, de ressembler à la partie piste, ça, non? C'est pas ça, C'est pas ça, Axiolium, du coup? Espèce d'escalier, non? Ah, peut-être pas, du coup. Si, en face, peut-être, là-bas, une espèce d'escalier, là-bas? Attends, déjà, on va aller voir ce que c'est que cette espèce de grosse patate, là-haut, là. C'est le pic du Midi? Bah, on est allé juste à côté, du coup, le pic du Midi. C'est l'observatoire qu'on a vu tout à l'heure. Oh, mais on est juste à côté de là où on était tout à l'heure, en vrai. Lolilol. J'ai même pas regardé qu'on était à côté du pic du Midi. Ah ouais, du coup, de loin, il était moche. Mais de près, il était vachement beau. Bon, du coup, on l'a vu tout à l'heure. On y retourne pas. On va aller chercher tout de suite la zone là-bas. Hop. On va réduire un peu les gaz, sinon on va encore se retrouver en survitesse et ça va être la merde. Attendez, d'ailleurs, du coup, qu'on vienne pas me dire que je triche. Hop. Disable crash. Tac. Enfin, disable le disable crash, surtout. Ah, attends, du coup, je regarde la map vite fait, la Monji. Ah bah oui, le pic du Midi, effectivement. Donc il faut aller, faut vraiment ça, c'est sud-est du pic du Midi. Ouais, c'est ça, donc on est là. On est effectivement sur ta zone. Change la date en décembre pour être en hiver. Ouais, on a fait ça tout à l'heure. On a fait ça tout à l'heure pour aller se mettre en mode neige. C'était trop trop cool. Attends, on va la remettre. Tac. On a mis en mode neige et en fait, on avait viré un peu la couverture nuageuse, là, comme ça. Pour avoir un truc beaucoup plus fun. Voilà. Tac. Et là on avait quelque chose d'assez... là, on avait quelque chose d'assez funky, quand même. Attendez, on va... Je sens que je vais me casser la gueule, là, si je fais ça. Plein gaz. On va se laisser couler le long du truc. Sachant que je suis en légère hauteur. Un tout petit coup de palonnier, histoire de pas trop se casser la gueule. Voilà. Voilà. On va reprendre tranquillement de la vitesse. Là, on réduit les gaz. Et hop, on va les survoler. Voilà, parfait. Tellement de souvenirs. j'ai 12h27. Et voilà, Axiolium. J'espère que ça te revive des petits souvenirs de piste. Tac, on va se mettre en mode... on va se mettre en mode vitrine, là. On va se prendre une petite photo. Comment on peut prendre une photo vraiment sympa? J'aime bien le petit... On va prendre la vallée comme ça, là. On va se rapprocher un peu de l'avion. Tac, comme ça. Et on va se prendre la jolie vallée qui est derrière. Comme ça. Ouais, ça, c'est joli. Ça, c'est une jolie photo, ça. Hop là. Et voilà. Alors, heureux.
Hop, on va peut-être pas se prendre les pylônes électriques, hein, ce serait ballot. Moi j'ai le pic de 19h, le pic de l'apéro. Et du coup Freddy, est-ce que tu as... Il y a le Tour de France qui passe par là. Ah, intéressant. Sympa le petit lac là juste en dessous là. Ça a de la gueule, moi j'aime bien. Ouais, stylé. Du coup Freddy, ouais, ta piste en plein milieu du désert, est-ce que t'as une coordonnée, quelque chose de sympa là pendant qu'on descend tranquillement dans notre vallée? C'est beau, putain. Tac, alors attends, je vais aller choper ça. Oh là là, j'aime bien. C'est tellement... je sais pas vous, moi je trouve ça tellement reposant de se laisser glisser comme ça dans les petites vallées comme ça. Je trouve ça trop top. Allez. Menu principal. Donc, les coordonnées de notre cher Freddy. Tu ferais pas un... Ah, Courchevel, on a fait pas mal. Hein. On l'a déjà fait deux ou trois fois, l'atterrissage Courchevel. Mais il faudrait que je les refasse pour monter un peu mon score, quand même. Faudrait pas déconner. Ah, putain, mais je sais pas comment tu me les trouves, les coordonnées, mon cher Freddy, mais à chaque fois, tu me donnes des virgules au-dessus, à la place des points, et ça me fout la merde. Alors, Thessalie Airport. Ah putain, ouais, on est vraiment in the middle of the desert, quoi. Wow. Ah, je sais pas si ça va être modélisé, ça. Faut qu'on regarde ce que c'est que cette airport, là. Thessalie. Ça va être fou, ça. Et je vous propose qu'on y aille en Alpha Jet. Tiens, ça va être drôle, ça. En atterro, t'as pas encore fait Chagwell. On l'a pas fait le défi d'atterrissage, déjà, Chagwell, la dernière fois, justement, sur la World Update. Tiens, regarde, on va décoller, ça va être nickel, on va décoller bout de piste, définir comme départ, on va se prendre notre petit Alpha Jet des familles, qui est en tout début, je crois. Raté, qui est là. Hop. Condition de vol, on va se mettre pareil, on va démarrer en temps réel pour l'instant, et on va aller voir ça. Attends-moi, on va faire une déco en formation. Ah ouais, top, si on y arrive, ça va être fun. Je sais pas, je demande justement. Ah, mais si, je crois que Chagwell, justement, je crois que c'est le comment s'appelle, c'est le défi d'atterrissage justement qui est en front page, si je dis pas de conneries. On verra ça juste après, parce que de toute façon juste après ce sera le défi d'atterrissage, donc oui, clairement on va se faire ça tranquille ou pépouze. Mais il me semblait qu'on l'avait fait, pas pourquoi. Ouais, c'est ça, hein, papa, tu me confirmes que c'est celui qui est en front page. Mais je sais plus si on l'a fait. Putain, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est incroyable. Est-ce que tu me conseilles de prendre la version premium? J'en sais rien. Moi, aujourd'hui, j'ai la version... j'ai une version, en fait, qui est sur le Xbox Pass. Donc, j'ai la version standard. Et je m'amuse déjà vraiment pas mal avec la version standard. Après... T'es en face? Ah merde! Ça c'est con! Recharge! Viens me chercher! Viens me chercher, Papa Noël! Qu'est-ce que je disais? Donc, moi j'ai une version standard qui est disponible avec la. Comment ça s'appelle? Avec la. Flight Simulator Lover! Salut! Comment vas-tu? Bonjour à toi! Alors du coup, je le prends tous les mois. Non, je le prends pas tous les mois, en fait, puisque moi, j'ai profité... Microsoft Flight Simulator faisait un truc... pas Microsoft Flight Simulator. Microsoft faisait un truc qui était vachement bien. Tu prenais un abonnement Xbox Live pour un an, et en fait, tu pouvais le convertir... en abonnement Xbox Pass. En Xbox Pass, pour l'équivalent, je crois, un an. Donc, ce qui fait que pour l'instant, moi, j'ai le Xbox Pass pour dispo pour un an. Et ce qui me permet... Ah bah tiens, le v'là Papa Noël. Il va faire son petit drift. Alors attends, je vais avancer un peu. Je vais enlever les freins. Tac. On remet les freins. Tac. Voilà. Alors attendez, bougez pas. Nous descendons, grand butin... What? Quoi, Flight Simulator? Qu'est-ce que tu nous dis, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, c'est une chanson? Le camping est cool. Joli coin, touriste. Tu m'étonnes. Alors attention, Papa Noël, je sais pas comment je peux te donner un top. J'ai des lumières? J'ai pas les lumières, merde. Bon, on va essayer de te filer un top visuel, je sais pas avec quoi.
Je vais te donner un top. Alors, je vais mettre les gaz. Ah bah, j'ai pas le choix. Tac, c'est parti. Parti un peu vite, du coup. Merde. C'était raté. Vraiment, le top, c'est la main sur le casque. Bah ouais, je sais bien que le top, c'est la main sur le casque, mais bon. Là, pour le coup, on s'est un petit peu chié dessus. Et pourquoi le... J'ai le train d'atterrissage qui veut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah alors, le train, pourquoi il est pas... Les flaps sont connectés, mais pas les trains. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est fou, cette histoire. Puis le cockpit est pas cliquable, du coup, on est dans la merde. Mais... C'est n'importe quoi! C'est le fail, les amis, c'est le fail! On a tout raté! Par contre, du coup, oui, Flight Simulator, je sais pas si c'était une chanson ou n'importe quoi, etc. Mais on va éviter effectivement ce genre de vocabulaire sur le live. Ensuite, alors, bon, moi j'arrive pas à remonter le train d'atterrissage. Et donc, du coup, pour répondre à la question, Actualium, non, le... Enfin, oui, il est gratuit, l'Alpha Jet. Il est sur le site flightsim.to et il est complètement gratuit à récupérer, à mettre dans ton dossier community. Et hop, roule ma poule. Et moi, je combats pourquoi j'arrive pas à rentrer mon putain de train d'atterrissage. C'est le bordel. Ça manquait de fail aujourd'hui. Bah ouais, ça manquait un peu de fail, du coup, voilà. C'est chose faite. Mais c'est pas grave, on peut quand même jouer avec. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Pourquoi il veut pas me lâcher mon train d'atterrissage, ce con? C'est un truc de fou, quoi. Pourtant, le truc est câblé, normalement. C'est G, comme tout avion qui se respecte. Alors ça, c'est incroyable. C'est, comment dire, désertique. Bah ouais, hein, il avait dit que c'était une piste au milieu du désert. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez d'autre comme destination à proposer in the chat? Parce qu'au-delà de ça, c'est quand même vachement cool. J'aime bien les trucs comme ça dans le désert, là. Quand c'est plutôt bien modélisé, tous les traits, je trouve ça assez fun. Vous êtes ultra fan d'airliner et que vous surveillez souvent des gros aéroports. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre en plus à ta question sur Elom, si tu veux vraiment te la jouer sim, liner, avoir des aéroports qui sont bien modélisés à fond, etc., machin, alors la version premium va commencer à avoir vraiment de l'intérêt. Au-delà de ça, si tu veux juste faire des vols, te balader, etc., je pense que la version standard est quand même déjà bien assez fournie et touffue comme ça. Bon, du coup, on va peut-être se faire le défi, faire un tour de France, mais une étape par jour. Alors, en fait, on a pas mal d'idées comme ça aussi pour le live, mais j'aime bien garder cette façon de faire, de se dire les viewers ont une interaction et ils proposent des destinations qu'ils ont envie de voir, plutôt que moi de figer à chaque fois des trucs. Je trouve que c'est plus sympa de cette manière-là, en fait. Allez, on va se faire un truc bien dégueulasse. D'ailleurs, tellement bien dégueulasse que j'ai failli me casser la gueule. Hop. Hop. Ça, c'est juste pour le plaisir. On va arriver comme une... On va arriver comme une brute assez épaisse. Pff, on va jamais réussir à se poser. Moi, je pense que ça va se cracher joyeusement, gentiment. Mais c'est pour le plaisir du beau geste. Ah ! On l'a touché quand même. On va aller se cracher comme une merde à la fin ? Non ? Oh ? C'est presque... Ça s'est presque bien passé, dis donc. La ville est super grande. Voilà l'image qui te donne toutes les différences dans les versions. Ouais, yes, merci Papa Noël. Alors, du coup, le défi d'atterrissage. Et là, pour les aéroports. Ah, bah top, nickel, merci Papa Noël, ça c'est cool. Ça c'est très très cool, comme ça tu auras effectivement les différences. Ah non, du coup, disons, ça a changé, c'est notre... Ah non, c'était Notre-Dame de la Salette. Ah ouais, du coup, c'est pas la même. Et c'est celui-là, du coup, qu'on a fait ? L'aéroport de Notre-Dame de... Ah oui, c'est ça, au niveau que l'atterrissage dans la côte, c'est celui-là qu'on a fait. Et donc, du coup, c'était quel défi d'atterrissage que vous vouliez faire, les copains ? Du coup, c'était... Attendez, bougez pas. Qu'est-ce qu'on avait dit ?
Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Chagall. Gibraltar, on a déjà fait Xolium. On l'a fait une ou deux fois déjà. C'était pas dégueu, hein. Franchement, c'était pas dégueu. Alors attends. Attends, d'abord je vais aller regarder s'il est pas dans les défis déjà. Défi d'atterrissage. Dans les célèbres, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il est là, notre ami Toronto? Non, il est pas là. Est-ce qu'il est dans les épiques? Non plus. Est-ce qu'il est dans les vents forts? Donald, Gibraltar, Scary. Ah bah non. Bah c'est bizarre, j'étais persuadé de l'avoir vu, dis donc. Mais on peut tenter de se faire un petit défi. C'est à peser dans la... Attendez, quoi? Il est où l'aéroport? Dans la montagne. Il y en avait pas mal des aéroports dans la montagne. On a fait Courchevel, on a fait pas mal de choses comme ça. Gibraltar est fait en A320, vent fort, deuxième. C'est à peser dans la balance, car si tu veux upgrader ta version, tu vas payer plus que si tu avais directement pris la version qui t'intéresse. Ça marche. Aéroport de Chagall, tac. Attends, tu l'as... Vent fort, deuxième? Quoi? Tu l'avais vu, vent fort, deuxième? Parti, défi d'atterrissage, vent violent. Ah non, oui, non, Gibraltar. Oui, d'accord, Gibraltar. Non, mais du coup, vous voulez faire quoi? De toute façon, c'est l'heure du défi d'atterrissage. Le problème, c'est qu'on en a fait déjà pas mal, en fait, dans les défis d'atterrissage. Et c'est ce qui est un peu dommage. C'est qu'on commence à les avoir un peu faits. Épique. Après, si vous voulez qu'on en refasse un, on peut en refaire un. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? New York, Quito en Équateur, Rio, Nice, Sydney, Toronto. Altiport? Qu'est-ce que c'est Altiport? Attends, bouge pas. C'est un vrai truc ou c'est... Non, Altiport c'est juste... Voilà, Megève par exemple, ouais. JFK, je crois qu'on l'a pas fait. Altiport de Megève. Il y a lui? Va chercher. Va chercher l'Altiport de Megève. Pourquoi il veut pas y aller? Mais il est con ce machin ou quoi? Allez grand! Va chercher l'altiport de Megève! Voilà! Ça peut être sympa l'altiport de Megève, on peut peut-être se faire un truc comme ça là. LFHM, on va essayer de checker ça. Hop! LFHM. Megève, on va se faire Megève avec un petit vent fort, tiens, on va essayer de s'amuser là-dessus. Tac, on va définir comme ça comme point d'arrivée. Où est-ce qu'il... Merde, où est-ce qu'il nous emmène ce con? Attends, à proximité, c'est quoi ça? Elle nous fait décoller de là, tranquillou. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit DA62, tiens, livré. Livré jaune. Oh, quoique non, il est plus joli en bleu. On va se faire ça. On va se faire ça, on va prendre des conditions de vol un petit peu venteuse, on va prendre des nuages épars. Et alors après, je me souviens plus où est-ce qu'on avait mis pour personnaliser, c'est ça? Voilà, personnaliser. Et au niveau de la surface du sol, on va se mettre un petit vent pas piqué des hannetons, hein, un petit vent... comment est la... Dans quel sens est la piste? Donc la piste, elle est 20, d'accord. Donc on va se mettre un petit vent de travers, ça va être sympa. Un petit vent d'est, là. On va se mettre un vent, 15 nœuds, 16 nœuds, ça va être bien. 15-6, avec quelques rafales... Avec quelques rafales à 20 nœuds. 18, allez, 18 nœuds, un peu dans la même direction, tac. Voilà. Ok, donc là, on est bon. On est bon, c'est parti. On part sur ça. Et on se tente l'atterrissage comme ça. On va se tenter un petit atterrissage du coup sur Megève. Un petit peu de traviole, ça va être rigolo. Et ce sera sur ça qu'on s'arrêtera, parce que là il est déjà 12h43, et donc le temps que je me pose, moi il faudra que je reprenne le bus, parce que j'ai réunion à 13h malheureusement cette fois-ci, donc il faudra que je quitte un tout petit peu plus tôt. J'en suis. Mon cher Papa Noël.
Et du coup, attendez, là, avec les... Putain, vous savez, vous rendez compte, on est à 299 followers, dis donc. Encore un, et on passe la barre des 300. Ah, ce serait cool, ça. Merde, pourquoi je suis de nuit? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah non. Ah bah non. Bah non, monsieur. Ah, ça, c'est pas possible. Il faut pas faire ça, monsieur. Voilà, atterrissage de nuit, comme ça, il est fou, lui. Hop là. Voilà, 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 voilà. Où est-ce qu'on est? 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 Il est où, latéraux? Il est où, latéraux? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Il est où? Il est où, le machin? Il est où, ma Gève? Il est où, le bidule, là? On est vachement... Il nous approche pas où il faut, là. On approche du mauvais côté, da fuck. Alors, attends. On rentre les trains, on rentre tout, là. On reprend les gaz. On va prendre la carte. Il est où l'aéroport? Faut faire une approche nord. Alors, attends. On va passer... on va passer au-dessus de la piste, tranquillou. On va essayer de la trouver, déjà. Ensuite, on se fera un petit tour qui va bien. Non, l'endroit est beau, cela dit. Hein. Coucou la vallée. Ah, il est là. Ok. Vas-y, moi, je coupe tout. Moi, je suis un gueudin, moi. Moi, je suis un gueudin. Je coupe tout, là. Full flaps. Je vais jamais y arriver. Non, je vais pas y arriver. C'est tourné trop. Est-ce que tu attestes l'aéroport de Lukla? Je crois pas. Ça, ça me dit rien, ça. Non, non, je vais pas le faire. Je vais me planter. Clairement, je vais me planter. Je vais clairement me planter si je passe, si je passe comme ça. On va se faire éclater la tronche. Donc là, on va tranquillement se laisser descendre. On va se faire un virage tranquillement sur la gauche. On l'a fait, c'est un défi d'atterrissage. Ouais, du coup, c'est pour ça. Mais le problème, c'est qu'on les a presque un peu tous faits. Il va falloir les reboucler à un moment. Hein. Où se trouver comme ça, des atterrissages sur le Népal? Ouais, c'est ça. Bah, si c'est sur le Népal, ouais, effectivement, on l'a fait. Clairement, on l'a fait, du coup. Allez, on va se reconcentrer 30 secondes. Hop. On sort le train. On va serrer un peu le virage, sinon on n'y arrivera pas. On va se casser la gueule, là. Hey, pas mal l'alignement, dis donc, ouais. Putain, je me suis surpris moi-même, je vous le cache pas, là. Je suis un peu bas, mais j'avoue que je me suis surpris moi-même. Aéroport, île de Saba. Faudrait qu'on check, attends. Je me concentre 30 secondes, loulou, on va essayer de se poser, on va essayer de se poser bien. J'ai peur de faire un peu de la merde, là. Je dois le reconnaître. Voilà. On est un peu au ras des arbres, hein. Ah, on est au niveau de la pâquerette, hein, les copains. Hein. Le virage était bien au niveau de l'alignement, mais... Et dis donc, Papa Noël, casse-toi! Qu'est-ce que tu fous sur la plage? Qu'est-ce que tu fous sur la piste, là? Barre-toi! Casse-toi! On lui a un petit peu roulé dessus. On a déjà tout fait. On a déjà fait une bonne partie, j'avoue. Eh, pas dégueu, hein. Bon, on a fait un petit peu de radada au niveau des arbres, hein, mais franchement, c'était pas... Pourquoi il repart en marche arrière? Ah, c'est en pente! C'est un punt, on est en train de se casser la gueule. Hop, on resserre les freins. Remettage de gaz. Oh putain, le... un petit peu violent le freinage. Ah bah tiens, on a un Papa Noël qui a tenté de faire un demi-tour direct là. Et est allé se bouffer le... il est allé se bouffer les arbres. Écosse, on a jamais trop... Saint-Barth, ouais, Saint-Barth on a fait aussi. Mais vous inquiétez pas, je pense que comme on les a un peu tous faits, je pense qu'à partir de demain, on va les recommencer. Hein. Je crois qu'on a quasiment tout fait, mais on va les refaire. Il y a une vidéo... Hop, la merde, je suis en train de me barrer sur le côté, là. Il y a une vidéo à Megève avec des Belges qui se posent sans les roues. Oui, putain, je l'ai vu cette vidéo. Je l'ai vu cette vidéo, en plus. À peu près sûr de l'avoir vue. Je suis quasiment sûr que je l'ai vue. C'était assez impressionnant. Le mieux, ce serait de refaire les trucs hardcore en Papouasie. Mais c'était tellement beau. Pourquoi je peux pas check le règlement? Sur Discord? Comment ça s'appelle sur Discord? Normalement, tu le check automatiquement. C'est une fonction directement sur Discord. Tu check le règlement directement sur la page qui te
qui t'offre, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Si tu y arrives pas, tu me le dis, on te filera, au pire, on te filera les droits, mais il m'avait semblé que ça passait tout crème. Tous les défis, à peu de choses près, ont été accomplis. C'est vrai qu'ils ont à peu près tout réussi. Après, ce qu'il faudra faire aussi, c'est de pouvoir les refaire pour pouvoir monter un petit peu le score. Il y en a certains, Papa Noël, je suis derrière toi, concrètement, il va falloir, résoudre cette problématique. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont raté la montagne faisant face à Megev. Bon, allez, sur ces bonnes paroles. Moi, il va falloir que je vous laisse, les copains. J'ai une réunion qui va m'attendre gentiment. Je vous laisse sur cet excellent et magnifique panorama avec une musique qui colle un petit peu plus mieux. Ça met Channel Verification is too high level. Da fuck. Il va falloir que je fasse des tests, là. Normalement, les tests que j'avais fait fonctionnaient bien. Bah, attends, bouge pas. On va se checker ça. Regarde, on va faire roll, paf, la bande, voilà. Normalement, tu devrais, ça devrait être bon pour toi, Xurium. Mais c'est bizarre. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous disais, vous n'hésitez pas à, effectivement, vous n'hésitez pas à suivre l'âge. Pourquoi j'arrive pas à récupérer la main? Qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'est... Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à suivre la chaîne, bien évidemment. On est rendez-vous en live tous les jours, du lundi au vendredi, de midi à 13h. Vous pouvez rejoindre le Discord pour avoir plus d'infos sur les autres lives autres que Flight Sim. Le planning est dispo. Vous pouvez suivre sur Twitter aussi. J'essaie de donner le maximum d'infos sur Twitter également. Et pour ceux qui veulent revoir les vidéos en... Comment ça s'appelle ? Les vidéos des précédents post-déj en 1080p, vous n'hésitez pas, ça se passe sur YouTube. J'enverrai une photo de l'article. Mais grave, avec tu nous mets tout ça dans le petit flood. On échange joyeusement et sympathiquement. Je vais vous mettre une autre musique là pour cette fin de live. Voilà, ça va être très très bien. On va se gérer ça comme ça. Comme d'hab, je coupe la cam, je coupe le micro. Je vous souhaite à tous une très très bonne... Merci Homme Poli. Merci Homme Poli pour le follow. Les sommets sont un peu ratés. Ouais, bon, ça va. Moi, je trouve là, il y a des trucs un peu chelous, mais franchement, je trouve que ça va quand même. On a quand même une vue qui est pas trop trop dégueu. Pourquoi je suis pas... J'ai pas le focus sur le bon truc, c'est pour ça que j'arrive pas à mettre la caméra comme il faut. Tac, voilà. Tac, on refait C, on se remet comme ça. On a une vue qui est pas dégueu comme ça. Merci à toi. Du coup, tu arrives pile sur la fin du live. Normalement, c'est midi 13h. Là, il faut que je le quitte un peu plus tôt parce que j'ai réunion à 13h. Mais voilà, donc tous les jours, du lundi au vendredi, la pause déj de midi à 13h, on se fait des vols sur Flight Sim. Vous donnez vos destinations dans le chat et on part les survoler. Sur ce, moi, je vous dis à ce soir pour du Outrider de 18h à 22h. Merci pour la chèvre. Et qui est du 300e, putain, du coup. Mais oui, Homme Poli. Tu es le 300e follower sur la chaîne, félicitations à toi. Félicitations à toi, félicitations, hop. Bravo. Bravo, bravo Homme Poli. Tu es le 300e follower. C'est tip top ça. Donc du coup, rendez-vous ce soir pour du Outrider de 18h à 20h et demain à midi pour la prochaine pause déj. Merci à tous, moi il faut vraiment que je file, je vais être en retard pour ma réunion. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous souhaite une très bonne après-midi.